Bon, le plus proche de la porte, Passe. c'est toi, Sparfel. Non, c'est Le mec de Weldred. l'autre côté, la porte. C'est Ah toi merde, là, c'est deux. moi en fait. Ok, pardon. Pardon, monsieur, vous avez vu. C'était le Bon, petit jeu de début on va de fonctionner avec l'heure. deux trinômes, ça va nous simplifier la vie, je pense. Donc, Aku, Oui, dernièrement, on se Dranak, serait est-ce qu'ils sont tous rejoints. là? Attends. Ouais. Dranak n'est pas là. Un Ah bah. soutien, un Si. frog, On va un attendre mystique, une BZH. galère. Yes. Et Fuckball, il manque. Gnome avec. Voilà, donc Aku, Dranak, BZH, vous serez le trinôme rouge. Gnome avec Setch. Et moi, Koj et Fuckball, on sera Et le binôme Setch, bleu, jaune. trinôme, pardon, bleu. Aku, tu seras le, entre guillemets, lead du rouge. Sherlock au S'il y en a binôme un qui avec doit parler à moi, la tu radio, en restes en fait. blanc. Comme on va Ok. minimiser les communications radio, il y en a que si vous avez J'ai vraiment besoin de parler, ça sera toi, Weldred, quoi. Froggy, vert. Et si je Ok. tombe, Fuckball, tu prendras le lead de l'ensemble. Reçu. Voilà. Ah, on a J'allais pas dire ma trop. radio, mais non, il n'y a pas besoin. Et on va Donc, prendre le véhicule contre le mur, vous pouvez embarquer et je. basiquement, ça sera rouge Vas-y, devant, allez, bleu t'as réussi derrière, je à pense. Froggy ou Weldred en pilote. Ok. Des fuckball test radio. C'est Bien bon. pris. Je nettoie les rétros. Vous pouvez embarquer avec soit Froggy ou Weldred en pilote. Une préférence. Quoi, c'est ça nos véhicules? L'avantage de la patrouille. Ah, donc, attends, j'ai Pas besoin de pas plus. compris là. Sinon, c'est comme ça. Mmh. Toi ou Alors moi moi, au on choix. rentre dans Bah, vas-y. le coffre. Ok. Bon, on embarque dans le Humvee à côté du camion là. C'est parti. Ah, quel camion. Quelqu'un prend le volant, moi je vais me mettre en navigateur. Ok, Scarlock. Ah, je suis pas là, Voilà, je bon, me c'est pas remplis les grave. poches avec ce qu'il y a dans le véhicule. Un GPS. Ouais, je Je me crois vois que je dans suis le le rétro. seul à avoir un sac à dos. Négatif. Ouais. C'est quoi le GPS? Non, t'as un GPS? Ouais, j'en ai un, c'est pour ça que je vais te guider. Non, je crois que tout Ok. le monde en a des sacs à dos. Parce que... Ouais. J'ai que 300 cartouches, hein, par contre. De C'est assaut pour léger soutien, on quand est même. pareil. Ok, assaut, on va prendre la tête du convoi, vous nous suivez. Allez, on est parti. On sort de là et tu vas en direction de... Stop. Dans le sorti, il est droite. À la droite, là. Ah, c'est ça, oui. Et ensuite, tu prends à gauche. Tu vois la colline qui est en face de nous, là, un peu à droite, c'est ça, là, c'est ça, cette phase de ligne. Tu vas vers là-bas. Il n'y a pas de route directe de toute façon. Ah, putain, ça fume. Je les ai perdus. Ils sont devant. Ah ouais, je sens là. Suis la fumée. Ok, on va se déployer à leur est. Nord-est. Arrête ici. On va se mettre sur les rochers là, déjà dans un premier temps en 40. Ah, tu veux que je passe en premier? Why not, t'ouvriras. Darnac, tu fermes. Je passerai en second quand on bougera tout à l'heure. Cassos peut prendre position sur le flanc droit côté est. On va faire l'observation avec soutien. Rouge, vous pouvez pousser sur les rochers en Et à face, là, tous. un peu plus Ok, loin. on pousse, on pousse. Ah, je lag à mort. C'est vrai? Ok, blanc ensuite. Ouais. Dès que t'as un visuel sur l'est correct, à coup on stoppe là. Bah non, on va commencer à voir là, mais y a que dalle. Ouais, bah ça va être suffisant. Le but c'est de pas s'exposer au nord pour l'instant Ouais. et de garder un œil à l'est. À mon avis, ici ça le fait. L'observation, pas besoin de signaler les contacts, je vais regarder avec les jumelles. Okay. Pas de jumelles, pas de tic, pas de Assaut de leader. Deux assauts, parlez. Tu peux venir sur ma position une fois que t'as placé tes hommes. Bien pris. Ok, assaut, vous restez là. Surveillance Est. Yep.
Ouais, c'est sûr qu'il y a du contact. Quoi. Ouais, c'est dedans, ouais. C'est du RPG. Ouais, c'est ce que je viens de voir et ça me fait un petit peu flipper, je dois te dire. Je roule très vite. T'arrives à t'abriter avec les maisons, tu peux arriver à. Au ouais, je pense qu'on peut avoir les, ouais, les bâtiments qui courent. Ouais, faudrait pas se faire un peu nord quoi avant d'aller tout droit. Avant d'avoir les maisons entre eux et nous. Bon, l'idée c'est de faire par le fond de la vallée. Vous êtes tous les deux fusillés, Why Not et Dranak? Affirmatif. Ok. Ah, pour ma part. Ouais. On était à peu près tous fusillés de toute façon. Donc, bon, il va être suicidaire entre mon premier et deuxième campagne. Donc, toi aussi, à qui t'es fusillé? Hum? Toi aussi, t'es fusillé à coup? Ouais. Peut-être que genre je resterai sur les campagnes pendant que je progresse sur la voie. On a du chargeur. Bon, l'idée c'est déjà aller se stopper sur ce coup. Je vais t'augmenter un peu, why not? Parce que je t'entends pas beaucoup. Casser, va rejoindre ton véhicule, ouais. Et mets-toi en position. Tu vas en faire rentrer tes hommes et tu te mets en position pour partir au pied de la colline. Bien prêt. Point stop. Au pied de la colline ou sur flèche violette? Point stop. Point stop, ok. Assaut regroupement sur le véhicule. Ok. Ah, c'est pour ça que j'arrivais pas à prendre la place en fait, c'est celle-là, d'accord. Ok, donc embarquez tous. Et dès que c'est fait, donc ils embarquent. Cache dedans. Okay, ouais, Fuckball, bon. Oriente-toi, prêt à partir, donc dans le sens inverse de notre position actuelle juste. Tu t'orientes juste et puis on attend pour l'instant. Ok. Merde. Et assaut en position. Donc le plan c'est on rush, on sort de la bagnole et on prend position. On va investir Tallinn, il y avait du RPG mais c'est du côté de Riga etc. Donc on va vraiment rester dans le fond de vallée pour que les bâtiments nous couvrent de ces lanceurs. Et sur Tallinn il n'y avait que deux gus, donc en fait le chef attend de voir qu'il s'écarte assez quoi, puisqu'ils sont en patrouille et on va faire le rush. Et pour info on va sans doute pas suivre le chemin bleu puisque c'est ouais. Entre le premier et deuxième campagne c'est un no man's land quoi, on va se faire défoncer. Donc on va sans doute prendre l'axe vert avec le chef et on avisera après. Donc nous du coup Nad pour répéter vite fait, le véhicule on rentre jusqu'où avec le véhicule? Jusqu'à la lisière de Tallinn. Ok. On s'arrête, on débarque côté sud-ouest murs, quoi. Quoi. Ouais okay. C'est ça. N'hésite pas à me guider parce que je vais y aller, voilà, de visu, mais si jamais je me plante... Ah, pas de soucis. Corrige-moi. Par à droite après. Ah, c'est pour leader. Ah d'accord, il n'a pas vu qu'il est en train de se placer. Demi-tour quand même, hein. Je pense que tu vas le suivre, je pense, de toute façon. Yep. Il prend la même position que nous, a priori. C'est trop bien, on va faire la course. Yes. Hop, il s'est foigné au volant. Oh, à coup, grand devin de Babylone qui va mourir en ce jour. Tu vivras ce soir, Froggy, tu vivras. Oh, merci, grand devin de Babylone. Tu vivras encore pendant 1 minute 30. Oh. Ça va me porter la poisse à parler de mort. On dirait un gosse qui fait mumuse dans son tracteur. Parlez à Lida. Ouais, il y a une coupure radio pour, à cause du relief. On parle, c'est parti. On joue notre véhicule, vous prenez la tête et on y va.
Ok, bah, on attend un petit peu qu'il monte et on va partir à Fuckball. Donc tu vois, Allez, le Charles. but c'est flèche violette, donc c'est, ça va Ouais. être d'enrouler par la gauche le relief là. Enroulé, ouais, je vais faire un Autorisation de tour. tirer depuis le bord. Ok, on peut y aller, Fuckball. Ok. C'est bon, tout le monde est à bord. Parti. Pour le groupe assaut, autorisation de tirer depuis le bord, si besoin. Oh putain, ça va être dangereux ça. Coche, bien Bien fait. pris. Ok, on enlève les sécurités. Dans cet axe-là, hein. Ouais, là t'es pas mal, continue comme ça. Ah, moi j'ai perdu mon flingue. Un peu plus à Nous on droite, je est deux pense à pas maintenant. pouvoir tirer, je crois. Ouais, c'est bon, tu vas arriver dans Ah, je l'axe les de. vois. Ouais, là t'es bon, là. Donc tu vois, le campon, c'est celui à droite, le plus près à droite. Ouais, mais je vais Pour me mettre nous. sur le mur de gauche, c'est bon, je vois. Voilà. Ben Là tu peux bourrer, hein, tu peux foncer. Dès qu'on au arrive plancher. à. Dès qu'on arrive là-bas, évidemment, tout le monde débarque. Rouge prend la gauche, bleu la droite. Du Attendez que long la vie mur. soit arrêtée quand même. On va arriver Oui, sans bah, flingue bien sûr. là. Comme des potes, déjà des jambes à soigner. Assaut, campagne de droite. Ouais, merde, campagne de droite. Sans. Ouais. Puis là, ouais. Vas-y, continue, continue. Débarque. Stop ici. Top, 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 top. Allez, on débarque. Wow. Dans la poussière, ils ont cru que c'était une tempête. Rouge, on se met Donc sur la rouge gauche. à gauche, bleu à droite. Waldred investit Scarlock avec Waldred. Ça s'est plutôt bien passé. Comment? Tiens, vas-y, Wayne, mets-toi sur le coin. Ouais, fais à volonté. Ouais, donc j'ai un visuel sur Et tout le fais à coin. volonté, Nadan. Bon, ben bleu, vous pouvez engager ce que vous voyez. Ouais. Ouais, on voit que dalle. On va interdire le passage. C'est clair, c'est un peu con d'être trop sur le Ouais, coin. le chef veut qu'on traite pour qu'il vienne, en fait, je pense. C'est parti. Hop, attention. C'est sûr. Dès que tu vois un truc bouger, t'allumes. Ça marche. Ouais. Moi je vais prendre ton flanc gauche et si tu veux, tu peux te concentrer sur l'allée, ce qui va sur la droite là. Ok. Je recharge. Ouais, tu vois le trou entre la Arnaque. bande à l'est. Oui. Viens ici, on sera pas trop fusil, trop de trois fusils au cas où. Tu bloques là, toi. Je m'allonge. Ouais. Okay. Faut pas que ça passe dans ce trou là, quoi. Fais gaffe de pas te faire tirer dessus. Assaut pour leader, autorisation de bouger. Je recharge. Tu te sens saut pour déjà faire un premier bon assaut. Confirmé tant que c'est à peu près calme. Ah non, négatif, on a une bonne position là et on va, ça va sûrement un peu arriver, on attend un peu. Au nord, je suis désolé, avec ma fille, tellement navré, j'arrive. Donc c'est con parce que le premier bond c'est le plus grand à faire. Moi j'ai plus aucun visuel sur quoi que ce soit en fait. Ouais, on a tes dames. Il y a du contact là-bas, du contact qui bouge en 25, 30. Il y a quelqu'un qui check comme Loin. à droite là. Il est dans les compounds qui sont en 25-30 là-bas. Mais bon, je pense qu'on les a. On ouvre l'œil, il y a des convois un pixel bouger pour pas. Oula, contact, contact 60. Vas-y, vas-y, engage. Bouge pas, why not. Il est à terre. Okay. Non, il rampe, il rampe. Non, je vois à terre, moi. Je suis pas sûr. Ah ouais, bon, je bug, je rouge. Un véhicule passé. Oh, s'il se relève, on leur remet d'autres. C'est ça. Il y a un truc qui a bougé vite, mais. Il y a tous probables véhicules ennemis est-sud-est de notre position. Wow. Ah. RPG. Ah ouais, ouais, j'ai du visuel 40. J'ai des contacts, dans l'angle du compact droite nord-est. Ah, je sais que je les vois plus ceux-là là-bas. Si, je les vois. T'as vu celui qui a traversé dans la lac? Non, je suis allongé, je vois rien. Ouais. En charge. Ok, toujours 25, si vous savez pas où vous regardez. A tous, tirez avec parcimonie, hein, économisez quand même les munitions au minimum. Ah oh bah la distance là... On a des munitions dans les véhicules leader. Ah, bien reçu, faites gaffe quand même. Ah oui, why not. T'arrives là-bas, Bradek? Ouais, ouais, ouais. Merde, non, il est encore là.
Ouais. Je crois qu'on l'a eu. Putain, tirer sur les cure-dents quoi, merde. C'est chiant. C'est ça. Les grenades aussi, si tu veux, tu peux m'en laisser un peu si ça fait trop lourd. Les grenades à main ou les grenades de lance? Non, les grenades à main, on n'a pas de tube donc on n'a pas de lance pas. Ouais, vu le chef, il veut qu'on les attende qu'ils viennent. Je peux, je charge. Ok, c'est bon, je suis tout chargé. Ok, je te laisse ton angle. Yep, merci. C'est vrai que t'es pas trop mal pour faire un bond là en fait. Tu vas sur des cure donc je pensais faire bouger route pour un peu courir et progresser quoi. Vas-y, t'as le feu vert. Oh putain. Wow. C'est moi, désolé. T'as claqué pas le feu. Ouais, tu peux faire ça. Fais gaffe ici. Mets peut-être 2-3 fumées sur le chemin. Tu veux prendre jump ou quoi, c'est ça, sur le sud-est? Ouais, ouais, bah attends pas nous, on va laisser l'autre équipe. Là. Ok. Tac, 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 c'est voilà. Attention, si vous faites tirer, tu mets en rouge, décalé sur le sud, vous avez traversé, placez-vous au niveau de bleu pour l'instant. Allez, venez les gars. Flash de la frag. De la flash. Ah, la smoke, pardon. Smoke verte, ouais. Ouais. Où j'en se place le compound est en 110, vous faites un bond dès que vous le sentez, on vous couvre. C'est bon. Et ensuite vous ouvrez l'angle pour nous. Dès que tu veux. 110, ça marche. Allez, c'est parti. On va faire du suppress histoire de... Go. On trace. Ok, why not, tu jettes un coup d'œil à l'intérieur, Dranak, tu te mets avec moi sur le coin, on va couvrir leur traversée. Bien pris. En position. C'est bon, y'a rien. Ok, tu peux... Ouais, bah reste à l'intérieur. Rouge, on est en place. Contact, je recharge. 40, au fond. Je me décale. Ouais, je fais de la suppresse gratuite là. Ok, on prend votre place, vous pouvez pousser dans nettoyer le compound. Ok, on passe à l'intérieur. Ouais. Fugbo, je te laisse prendre l'angle si tu veux. Ouais. Fugbo, les coches d'ailleurs. Ok, on va avancer doucement. Why not, tour, et puis Dranak, tu gardes les 6. Voir le flanc droit quand on va avancer là. Qu'il n'y en ait pas qui nous prennent par la droite. J'ai un mec là. Ouh. Ah ouais, bien vu, tiens. Ok. Vas-y, je couvre à gauche, passe. On fait un bond sur le suivant. Non. Ok. Rouge, dès que tu as pris près de pied dans le campement suivant, tu me signales, on te rejoindra. On y est. Ok, bon, on décroche. On passe par l'intérieur, on les rejoint. Il y avait un tango en 45. Ça va, Dranak? Avec toi. Ok, nickel. On reste là. Une traverse. Attendez, pardon, on va rester à l'extérieur, mettez-vous sur le côté gauche là, comme tout à l'heure, voilà. Essayez de traiter votre tango. Et tu restes debout, Koj, je me mets à croquer. Ouais, vas-y. Ok, il va y avoir un gros bond à faire pour le suivant. Non, il est là. Ah ouais. De ce côté. Ah ouais, c'est bien. Tu peux rentrer sur le prochain, hein, rouge, ou il faut que tu contournes? Faut contourner par la droite, il y a une ouverture sur la droite seulement. Ok, donc ça va t'exposer sur le champ droit. Ouais, dès que tu le sens, tu fais le bond, et moi je vais me placer, et ensuite... Enfin, je veux dire, tu fais le bond sur le mur et tu rentreras que quand nous on sera en place aussi. Ok, ça marche. Bon, bah on va déjà bondir sur le mur là, les gars. On y va à fond de balle. Sur le mur, tu prends la porte, je pense. Ouais, tu prendras la gauche et puis Dranak, tu prendras la droite. Et dans ce cas, on va bouger, rejoignez-moi à l'intérieur. Allez, à gauche du bâtiment ? Tu vas sur le mur en face. Vas-y, trace. Il est quelle heure ? Ça pète les yeux le soleil là. Allez, on traverse. Voilà, une fois sur le mur, tu prends la gauche, toi, why not? Ok. Ouais, tu restes ici, tu vas pas sur le coin, tu prends juste la gauche. Ça, c'est les bleus, prenez le coin gauche du mur. Yep. Sur BZ, je passe sur ta ligne de feu. Ok. Vas-y, reviens, why not? On va s'apprêter à passer sur l'autre côté. Je suis de toi. T'as besoin qu'on ouvre avec toi ou tu peux le faire On va longer le mur et puis on va ouvrir tranquille. Garde juste une couverture sur notre flanc et puis on va avancer tranquille. Ouais, je vais m'en occuper de l'autre sur la gauche. Ouais, t'y vas. Il y a du canard partout. Fais gaffe à gauche au niveau de l'ouverture là. Ouais, que... On y va doucement. Ralenti. Tu peux même marcher là. Comme c'est exposé. Tu vas ouvrir à gauche et moi je prends l'avant. C'est bon? On rentre dedans quoi? Ouais, on rentre dedans. Contact. Putain. Vas-y, why not?
Regarde à l'intérieur, on a de la couverture donc c'est bon. C'est bien joué les gars, c'est bien joué. Voilà, on se pose là. Why not, tu prends le nord là, tu restes dans l'ouverture, Drac, tu passes de l'autre côté, tu prends le reste. Ok, je sprint. Vas-y. On y va tout doucement. Vous avez pas checké la baraque derrière, si? Tu vois dans la brèche. Non, je vais y aller, tiens. Juste tout à l'heure, donc on surveille. J'ai aucun visuel. On sait jamais. Bah, sur notre gauche, on va rentrer. Juste garde l'angle. Ouais, ouais. On longe juste plus d'avant pour pas qu'ils nous surprennent. Pas de soucis. On investit. On va rentrer. C'est juste histoire d'interdire l'angle, quoi. Allez. Ouais. Il y en a un qui de bleu qui garde l'entrée sud-est, là, où on vient d'entrer. Prends les leaders. Ok. Vous êtes dans quel compound vous êtes arrivé au compound numéro combien par rapport à votre probation? Troisième compound en 37-59 pavé numérique 3. Ok, bien pris, maintenez la position à partir de maintenant, ne poussez plus. D'assaut bien pris. Ok, si tout le monde garde son secteur, ça va le faire. Jamy, si tu veux, tu peux te mettre à la porte nord. Et tu vois, tu s'est mis à gauche, tu te mets à droite pour checker la marche. Ils ont pris la grêle et c'est sombre. Ok, donc pour assaut, on tient la position le temps que soutien avance. Vous traitez tout ce que vous voyez, bien sûr. Hein. Yo. Ah, si c'est pour nous, je pense que c'est soutien qui se démène. Ah ouais. Wow. Ouais. Il doit y avoir du contact proche de notre position, je pense. C'est juste derrière le mur. D'accord. À ma droite. Où nos alliés? Normalement, ils sont sur notre nord-nord-ouest. Nord-ouest plutôt. C'est peut-être même eux qui tirent. On a des nouvelles du véhicule? Non, pas de news. C'était un possible véhicule, je sais pas s'ils ont pas un petit peu halluciné. Je te préviens d'avance, à coup je pense que le prochain mouvement on va prendre l'appui sur le mur qui nous fait face et tu vois il y a une ouverture si tu rates ta map sur la partie droite, enfin sud-est du compound. Je pense qu'on va faire une entrée par là et ensuite comme ça je pense qu'on sera... Je sais pas s'il veut qu'on lance l'assaut depuis cette position ou celle qui se trouve au nord, on verra avec lui mais... On va faire comme avec celui-là quoi. Ouais oui bah voilà, bah, on va faire la même manip, ouais c'est ça. Et après on sera directement en vue de la station. Ouais. Après ça fait un peu... Tu veux pas te servir du mur qu'il y a sur le... Parlez, leader. Bien, entamer sa progression sur le chemin vert, premier compound. Ah, les mecs, ils sont même pas vraiment que nous, hein. Compound clear. Je disais, est-ce que tu voudras qu'on serve des murs qui sont sur la droite? Bah, j'étais en train de me poser la question, ouais. Peut-être qu'on fera ça, une équipe à l'intérieur du compound et une équipe dans l'ouverture, effectivement, des murs, à droite, ouais. À 340 en face de moi, j'ai vu un gars sortir un fusil. 140 Donc pour info, nos alliés sont vraiment nord-ouest, donc pour l'instant, si t'as des visuels au nord, c'est sûr que c'est pas eux. Là, dans la bâtisse en face de moi, là, y a un gars qui sort son fusil. Ouais,
Bah ça c'est ennemi, ça c'est sûr. Les alliés sont gros. Il y a une AK, ouais. Dans premier campagne, si tu veux, sur ta map, c'est le 36-59, le plus à gauche. Donc pour nous, c'est du nord, là, plein nord. Nord-ouest, pardon. D'accord. Je vais essayer peut-être une frag. Ou tu le fais, why not, si tu veux. Essaye de lancer une frag vers cette ouverture. Ouais, je suis pas un pro de la grenade. Hein. Bah, si tu veux, je peux le faire, moi, ouais, avec un peu d'élan. Est-ce que tu peux te dégager, par contre, que je... Allez, un petit panier à 3 points. Garde cet axe-là, merci. On va voir si ça le titille, hein. Ça se trouve, ça va être un fail, mais... J'ai un mec qui monte. Tu peux reprendre ta position. Je peux tirer, j'ai un mec qui me fait dos sur le toit. Ah, vas-y, va monter. Je vais bien placer, celle-là. Mort. Ouais, mais je sais pas si ça lui a fait grand-chose. T'es bien pris pour le contact traité. Ça correspond à Riga en fait. Enfin, ouais, nord-est de Riga. Campagne clear. Bien reçu. Pour assaut, soutien sur deux, campagne numéro 2. Deux assauts bien pris pour info. Position à campagne nord-est de Riga occupée par l'ennemi. Bien reçu, assaut. De votre côté, est-ce que vous voyez une opportunité pour avancer? Confirmé, le campagne suivant et le mur qui se trouve à son sud-est semblent offrir des bonnes positions pour observer la station. Et donc t'as le feu vert. Fais bien gaffe à ton flanc sud, sud-est. Assaut, c'est bien pris. On va appuyer blanche en panneau. Ok. T'appuies toi sur la droite, ouais, puis on va te suivre. On fait comme la fois précédente, on va sur le petit mur en face là. Why not, tu prends la gauche, Darnak, tu prends la droite. Go. Ok, les blancs, les bouge pas, viens ici, why not, t'avances pas là-bas. Parti. On reste ici, on va passer sur la droite. On fait exactement la même chose que tout à l'heure. Il y a une ouverture sur la droite, on la fait la même. Prenez pas l'ouverture bleue, reculez. Si on peut avoir une couverture sur le flanc droit, par contre, c'est nickel. On va éviter de se montrer pour l'instant de ce côté-là. Yep. Tout ce qui est à gauche, c'est clair. Hein. Théoriquement, ouais. Attention à tous, soutien des places. D'accord. On est bon, Nad, on y va? Ouais, tu peux y aller, ouais. Ok, on avance doucement. C'est parti. Une fois qu'ils sont partis, vous prenez leur ouverture là et vous tenez la position. Yep. Ok. Ok. Vous pouvez y aller. On couvre ton flanc, why not? Tu te couvres. Je vais couvrir vos arrières en attendant. Nickel. Why not? Oui. On va longer le mur sur la droite là. On fait gaffe parce que sur le campagne qu'il y a sur notre nord, il y a du monde. Sur l'autre campagne, donc on fait gaffe. On rentre. On attend pour ça. On attend un petit peu qu'ils prennent position. Voilà, tu te mets sur le coin, Dranak, tu vas de l'autre côté. Ah shit. C'est nickel, c'est sécure les gars. Oh. Oh putain. Enfin presque. J'aime bien le presque. Ouais, on les suit maintenant, c'est parti. Sauf que nous, on reste à l'extérieur pour l'instant. On n'entre pas. On longe le mur jusqu'à l'angle là-bas. Voilà. Oh putain, le tas de cadavres ici, c'est vous qui avez fait ça? Sur notre droite, là. On la tient. Ah, je suis sûr, c'est Wynette et Darnak qui ont fait tout ça. Alors moi, j'en ai eu juste pas. Je suis là. Ok, je reste baissé. Ouais. Ah non, là, c'est trop prétentieux, là, attends. Je vais vérifier qu'il y a personne. On va rester de ce côté-là, quoi. Je m'écarte derrière le bus. Ok, Darnak, maintiens bien l'est, toi. Je des mecs. C'est clair. Tu peux traiter, vas-y. Il est où? Il est en face, deuxième. T'as une espèce d'ouverture sur un toit. Ah ouais, il y en a un mec en bas, ouais. T'es un peu loin. Je vois. Un peu loin et je tiens pas bien, mais si tu peux traiter de là. Ouais, traite. Je s'en sors pas mal pour l'instant. Ok, attends en ordre, coach. Ok, vas-y maintenant. Oh. Assaut de leader. Parlez leader. Bien sur le campagne numéro 3, ça vient du deuxième point vert. Ça va pour de votre côté? Ça va de notre côté, on a pris position sur le campagne suivant. On traite quelques contacts sur Venus RS. Pour toi, quoi. J'ai une cale, je la traite. Ok, pareil sur le toit. Il y a un contact qui court en 60.
Vous arrivez à voir d'où ça vient? J'ai rien. Ça, ça va picoter là. Ça. Là là. Ça va, Nad? Et assaut bien reçu. Pour info, nous on va continuer à essayer de pousser sur les campements de dernier point vert, nord-est de Riga, en faisant un crochet par les campements de Riga, les deux campements de Riga. Il est bien pris, soyez informé que le second campement de Riga, le plus à l'est, est occupé. Il est bien reçu. Comment je peux savoir combien il me reste de cartouches? Contrôle R. Dans le magasin ou en chargeur? Ah ok, ouais, ouais, non, dans le magasin. Et pour info, Rouge, on a pris position sur votre sud-est, là, sur le mur. On s'est fait engager par la Calibre 50 qui était sur la station, donc on se fait oublier un petit peu. Ouais, okay. Si vous pouvez traiter d'ici, vous voyez des contacts, vous, vous le faites. Pour info, vous avez soutien qui va arriver sur votre nord-ouest. Ils vont prendre position sur Riga. Ouais, je sais pas, Wayne, tu la vois la station? Uniquement si vous voyez des contacts traitables, sinon c'est pas très grave. Hein. Vous exposez surtout pas pour traiter. Hein. Non, je vois rien. Du coup, ce qui reste en orange dans mon chargeur, c'est ce qui me reste en bas. Oui. Ah ouais. Il me reste plus de 4. Quand tu le recharges, on te fait chier. Les deux assauts, on est pin down par une Calibre 50. Pas de dégâts pour nous, mais on préfère se faire oublier pour l'instant. Oh, une Calibre 50. Bien reçu, ça. Comment il en rajoute, il est marseillais, lui. Ah oui, c'était plutôt une PKP, tu veux dire Ça sonnait 762, non? J'avais un mec sur une 50 et je l'ai traité. Est-ce que tu veux que j'aille ouvrir Hein? Je dis ça sonnait 762, ça, non? Ah... Non, je dirais non, je dirais de la 12-7 quand même. C'est comme j'ai viré JSRS, j'ai du mal à capter. Ah oui, bah ça, c'est sûr. T'es sûr qu'elle est traitée à 50 ou c'est... Non, je pense que c'est bien la 12-7, à mon avis. Ok. J'aurais bien les oreilles. D'ailleurs, les M400 JSRS, ils font piu piu piu. Et c'est ça, c'est du pétard mouillé, c'est ça que j'avais. C'est dommage. Et de Asso correction, la 50 a été traitée, c'est une PKP qui nous fixe en fait. Ah, je le savais, je le savais. Bien reçu Asso, pour information, soutien, bouge sans envie. Ah. Ça, c'est à cause du JSRS, voilà, on l'a plus, puis voilà. Trop dieu, quoi. Ouais, je pense que d'ici c'est encore le mieux pour faire un bon. Oups. J'ai l'impression que ça arrive. Ouais. Par la fenêtre. Recharge. Par la fenêtre, quoi, je sais pas si tu l'as vu. Tiens, ce qu'on va faire, Darnak, tu vas passer derrière Why Not. Il allait prendre tous les deux l'angle comme ça. Why Not, tu te mettras accroupi. Et la porte où j'étais, de temps en temps, tu jettes un œil, Darnak, dessus. La porte? La porte où j'étais là. Tu jettes un oeil de temps en temps. En gros, ah, tu fais les deux, et puis si jamais Why Not il a du contact, tu pourras l'aider. Ok. Il est toujours debout. Hein. Ouais. Il a l'air d'avoir du véhicule. Ouais, je vois plus la fenêtre. Ouais, j'ai vu pas son bras passer à un moment donné, j'essaie de le choper. Mais... À la grotte, je crois. Non, c'est trop long. Non, bah, je préfère éviter de dynamiter la station essence. Il y a un mec que tu vois, c'est ça? Il est où? Moi je l'ai vu à la fenêtre, tu vois la station, le mur blanc, rouge et jaune. Ouais. Ouais, ben à la fenêtre. Ok, le dernier, je le vois pas. La dernière fois que je l'ai vu, il était là. Il est arrosé, mais c'est pas sûr que je l'ai vu. Quoi. Bon, l'axe de progression ici sera pourri, je pense. Donc quand on bougera, on rejoindra les copains à côté, on passera avec eux. Yep. Pour l'instant, on tient cette position. Ok, je vois les pistes armées. Ah ouais, il y a encore du mouvement, ouais. Dans cette fenêtre. Hein. Bon, on temporise le temps que soutien se mette en place, et je pense qu'on prendra votre axe de progression tous ensemble, enfin vous devant et nous on suivra sur le même axe, je pense. Tu veux on prendra appui sur la station essence, sachant qu'elle est occupée par au moins un homme, mais ici vous n'avez pas le visuel. Okay. Hop hop hop. Peut-être un peu trop montré. En face là-bas ça a l'air cool. Vous nous couvrirez et l'autre groupe il sera où? L'autre groupe il est normalement, il sera sur le pipo sur le camp pointe au nord en fait. Ok, donc ils nous couvriront aussi. Faut espérer. Je suis
désolé. Ouais, je sais pas exactement. On va voir ce qu'il dit en fait. Ok. Et patient de Froggy. Assaut de leader. Nad. Ouais, quoi. Je suis désolé, je vais devoir quitter là. J'ai ma fille qui sont pas hyper en forme, donc désolé de quitter là. Et en tout cas, j'y vais. Merci en tout cas pour la formation et puis peut-être un de ces quatre. D'accord. Bah, assaut de leader. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée. Assaut parler. Leader parler. Confirmez que vous avez aucun personnel dans les deux campements de Rega. C'est confirmé, on est au sud. Oui, parti, il est bien reçu, on va mettre des grenades. Il va y avoir un IA qui se balade. Entendu, ça va grenader le bâtiment juste au nord, alors faites gaffe. C'est quoi? Ah, ouais. Oh, l'IA. Ouais, ouais. Bizarre de sa voix. Ouais, j'ai eu peur aussi, ouais. Je vais faire un coup de crosse, hein. Attends, on va putain. Le noter. C'était pour vous tester. Ah bah là. On le laisse ici, hein. De ce cas-là, le troupeau de barbus au nord commence à engager. Tu m'as parlé, Fogwalk? Ouais, tu peux me checker en 54 si t'as le temps. Il y avait un mec sur le toit là-bas. Bah, mon gars, je l'ai vu partir et je me suis dit, mais où est-ce qu'il va et... Je savais pas qu'il était parti de l'autre côté, moi. Il a fait le tour. J'ai jeté un coup d'œil. Il a fait le tour exprès, quoi. Coucou! Tu vois son crâne dépasser le coup. Assaut de leader. Parlez, leader. On rejoint rouge, Fogwalk. On quitte la position. Ok, go. D'ailleurs, on devrait peut-être lui prendre ses munitions ou des trucs comme ça. Ici, leader, donc pour information, on a des contacts qui nous arrivent dessus par le nord-ouest, colline nord-ouest. Wow. On est en train de les bloquer, mais on peut pas progresser pour l'instant. Donc faites ce que bon vous semble, mais poussez pas trop. Et c'est bien prévu dans ce cas, je pense que je vais temporiser là où je suis. Nad, tu veux pas que je jette un coup d'œil à l'ouest avec un gars? Wow, attends, à l'ouest? Pourquoi faire l'ouest? Nord-ouest, si jamais il y a des mecs en... Si tu veux, plus de munitions pour l'air et il y a des ennemis qui sont en train de contourner par l'ouest. Et tu vois? Ouais, ouais, bah à ce moment-là, ouais, reste en surveillance ouest-nord-ouest par le côté dont on vient. Ouais, wow, ouais, wow, ça claque juste sur ma gueule. Merde. J'espère que ça aille un peu plus vite que ça. Voilà. À la limite, tu peux rester un peu à l'extérieur et en checkant à l'ouest. Ouais, j'essaye de checker l'ouest. Ok. Pas moyen d'avoir un gars avec moi. Et les autres azimuts sont importants aussi, donc. Ouais, bon, ok. J'y vais. Si jamais ça chauffe trop, je replique. Je crois qu'à chaque fois que je me pointe pour regarder, en fait, ça me fait tirer dessus. Il est proche, hein. Reste ça, reste. Ouais. Ah bah il doit être sur la station hein. Ouais c'est petit hein. Femme qui vit, ouais. Rack devant. Bon, je vais arrêter de me montrer hein. Il m'en veut je crois. Le problème c'est que la station elle est quand même à... Quoi, 75 mètres. Loin pour balancer une frag. Bon, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux aller voir quelque chose? Non, c'est encore plus. Et là, je risquais pas de l'atteindre d'ici. Si tu surestimes mes capacités de branlette. Ouais, je vois rien à l'ouest, Nad. Ah, bah, rien de nouveau, j'imagine. Non, rien du tout, il n'y a pas aucun mouvement. Ça vient du nord, de toute façon. Bon, il doit être pile poil en 40, parce qu'à chaque fois que je sors ma tête, il me tire. 40, hein? À force, je vais finir par en prendre une, mais je continue, tu sais. Mm-hmm. D'être dans un buisson. Hein. Et sinon, la position Nad qui ouais, avait parce que j'ai regardé proche, plusieurs fois. Mais... Il voyait bien en 40. Est-ce que tu crois qu'on arrivera à voir quelque chose là-bas? Sur son mur, à lui, qu'il est là tout à l'heure. On va essayer d'y aller avec toi. Au bleu, ouais. On y va. Et on a même pas un petit lance-grenade. Hop. Attends, c'est triste. Pas sortir comme des bleu-bites non plus. Dans le MV, il y avait des grenades, je crois. Il y a même c'est pas un lance-grenade. Vas-y, je te cours. Ouais, c'est parti. Pas comment on est censé les lancer les grenades hein. Du coup. Ouais. Prêt. Go. Sorti. C'est passé. C'est passé.
Apparemment, ils voyaient bien tout à l'heure. Bon. Des cadavres, ouais. Le mettre à l'autre bout du mur, peut-être, des fois, on sait jamais. Ouais, tu sais. Ouais, j'essaie. Là, je l'engage, je suis pas sûr que ce soit le contact. Hein. Elle aurait pu avoir deux balles à force. Elle aurait pu qu'elle lui fonçait dessus. Parfait, le verre, c'est clair. Je pense qu'on va faire un bond ici en fait, ça va être plus safe que tout à l'heure. D'ailleurs, on n'entend plus Sparfell à la radio. Ouais, c'est vrai ça. Je suis sûr qu'il est dans la ville. Dans le bureau là. Mais ça bug tellement avec Acre que. Je recharge. Ok. Réorganiser mes chargeurs. J'espère que c'est un pote là-bas. Jaune de Sparfell. Ouais. Ici jaune, patrouille neutralisée sur notre arrière. On a entendu des tirs au nord, mais aucun visuel. Bien reçu, jaune. Pour info, vous êtes seul derrière. On a avancé sur Riga. Ouais. Bien reçu, on surveille le temps pour vérifier que les personnes de vivant. 50% du truc est au moins. Nad? Tu peux rester là. Nad? Ouais. J'avais déjà fait. Qu'est-ce qu'il y a? En 260 là-bas, s'il y a des mondes qui passent, c'est des ennemis là? Je peux pas te confirmer, et il faut identifier. Soutien de... Ah, trop loin. Soutien. Trop loin. Ils ont des mecs en retrait, donc c'est peut-être. Parlez à ce leader. Je pour information, ouais, si, ça arrive. Sur le campagne avec des arbres, les gars. Vous avez des contacts en retrait à quelle position? Parce qu'on a des contacts en 260 de notre position. Wow. Ah, ils sont loin, ceux que j'ai vus, donc je pense pas que ce soit les copains. De mer, c'est clair. Assaut de leader. Parlez. Vous avez déjà pu ouvrir le feu sur la station de service? Confirmé, on a traité plusieurs contacts, dont l'équipage d'une Calibre 50. Bien reçu, et t'as un axe de progression pour t'en approcher depuis où t'es? Alors l'axe de progression depuis le compound est compromis, on se fait tirer dessus dès qu'on en sort, mais celui au sud-est, le long du mur, il y a une brèche, on peut tenter un rush depuis cette position. Ouais. Ok, t'auras une position approximative du contact qui te pin down? A priori en plein sur la station service, mais on n'arrive pas à voir le visuel. Ok, donc mon groupe, je vais positionner des hommes sur le dernier point vert, au nord de Riga. Et on va essayer de te couvrir depuis là, donc tu, une fois que je serai en place, je te signale et tu pourras essayer de pousser sur Vilnius. Si ça chauffe, n'hésite pas à te replier. Bien prêt. Bayonnette au canon! Nab, il peut vraiment pas confirmer la position des alliés parce que je vois des mecs qui arrêtent pas de passer depuis tout à l'heure là et c'est bizarre, ils passent un poil au milieu des campagnes là. Assaut pour leader, est-ce que vous avez des hommes ailleurs que sur Riga? Leader négatif. Ah bah ok, alors ça va être fait à volonté. Rectification, nous on est encore à l'arrière. Ah mais putain. Ouais, à l'arrière oui, mais pas sur l'avant. Indiquez position à l'arrière, c'est où? Indiquez votre position. Au compound en haut à gauche de Tallinn. Ok. Bon. Wow, ils sont aussi loin que ça. Ouais, donc bon, c'est eux que j'ai vu. Je sais pas si ça répond à ta question un coup. Ouais, ouais, c'était eux. D'accord. Et c'est bien pris. Pour info, on avait visuel sur vous. On a. Dis-leur qu'ils avaient quand même des contacts beaucoup plus loin en 260. J'en ai vu dans les buissons là-bas. Ok. Pour information, le groupe qui s'est détaché sur Tallinn, vous avez des contacts sur votre 260. Est trop mauvais, c'est parfait, on voit rien. Et eux, apparemment, ils nous voient. J'ai vu des mecs dans les buissons, donc ça coûte rien qu'ils jettent un œil là-bas. J'ai tout balancé et il y a la station. Du coup, je les vois, ils ont peur. Derrière à coup là pour prendre l'autre côté. Hein?
Tu veux que je vienne de ton côté pour regarder Bah, tu sais, y'a pas grand chose à voir à part des pixels très loin. Assaut de leader. C'était pour garder vers l'est au cas où. Ah ouais? Bon, la position que je voulais que soutien prenne est très mauvaise. T'as envie de changer un peu de paysage? Du coup, on va essayer de vous soutenir au mieux, mais essayez de pousser. Vous mettez quand même dans l'allée là? Ouais, bon. Et c'est bien pris, bleu, venez sur votre sud. Rouge, pardon. Ok, allez, venez les gars. Placez-vous sur la brèche, je vais te montrer à coup où est-ce que je veux qu'on fasse le bon. What the fuck? Faites gaffe, alors, a priori il y a du contact qui vient de surgir évidemment. Ok, why not? Va te mettre derrière derrière Fuckball et Darnak, tu prends l'est. Ça doit être un 10. Vas-y alors, Dinad. Ouais, faudrait qu'on se place à droite pour que tu puisses voir, mais il y a un mec qui engage maintenant. J'ai vu une traçante. C'est Noël. C'est ça, oui, c'est un peu. Ouais, j'aimerais, tu vois, la station essence est en 30, mais il y a une carcasse, je pense, en 20 qui est un premier point intéressant. Wow. Ouais. À moins que tu veuilles tenter les rochers, mais ils sont un peu bas, je trouve. Donc, je pense qu'on va prendre un rush sur la carcasse en 20 pour s'appuyer dessus. Tu la rejoins, ensuite tu fais jonction sur toi, puis le but c'est d'investir la position en 30. Je suis juste derrière toi, donc tu te lèves pas. Ouais. Ouais, bah on va aller contre la palissade en métal là, ça ouais. sera bien. Ouais, ouais, correction en fait, ouais. Carcasse, palissade en métal, et l'idée c'est plutôt de prendre possession des bâtiments qui sont en 20-10, tu vois. En terre cuite. À la limite, on laisse tomber la station essence pour l'instant. Ouais, on va déjà bouger là-bas. On privilégie une position intéressante tactiquement dans un premier temps en fait. Secteur dangereux, c'est la station service, rien d'autre? Bah, si, c'est tout le reste. Okay. Ouais. Nord-est, il y a du monde, je pense. De l'autre côté de la route. Vous nous couvrez? Bon. Why not, tu nous emmènes à Zimut 20, il y a une carcasse de bagnole, tu la vois? Vas-y. Une carcasse de bagnole avec une palissade en métal. Oui. Tu nous emmènes dessus. On va dessus, pareil comme tout à l'heure, tu prendras la gauche, Radnak prendra la droite. Ok. On y va? Faites gaffe à la gauche, ça peut être dangereux, ouais. Bah, on va sprinter comme des bois. À la rigueur, peut-être balance une petite fumée. Ouais, est-ce qu'on devrait pas passer par où on vient là? Hmm? On aurait été plus droit. Non, mais on se faisait allumer dès qu'on sortait le nez de l'autre côté. Donc... Mais les gars, faites gaffe à la fenêtre aussi du bâtiment bleu et jaune, blanc et jaune. Ouais, mais ils vont pas être exposés vis-à-vis de ça, normalement. À ton top, et tout, je suis prêt. Ok, let's go. Il y a assaut pour son tien. Allez, on rush, on sprint. Bien reçu, assaut. Oh, la fumée, elle a même pas le temps de se déployer, c'est triste. Allez, go. Sur la palissade, hein. Pas plus loin. Ok, nickel, on interdit. T'as tout dit. Ah, y'a un mec là. Nickel. Je vais viser le culpo. Tu as fait un trou de balle. Et on est là, coup, si tu peux investir sur le nord, on peut y aller. Ok, on avance, why not, on avance vers why not. On garde l'arrière, fuckball. À l'arrière, pour la couverture, why not. On va traverser avec Darnak. Tu viens, Darnak? Audio. Okay. Audio. Il est dans le bordel, je suis sûr. Touché. Ok, bah reste en place alors. Oh, c'est putain. C'est une PKP, merde. On oublie cet axe de progression. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là-coup là? Il y a un mec derrière. Derrière la baraque en face. Rouge, pour l'instant, vous restez là, fuckball, on avance un peu, on s'appuie sur le mur. Regarde, faut que je me soigne. Je recharge, désolé. On va mon main. Vas-y, c'est pas grave. C'est bon, vas-y, je suis opérationnel. Et... Wow. Il est dedans. Ok, je passe en full en semi machin et c'est parti. Allez. Oh! Vache, balance une grenade, bordel de merde! J'ai quelqu'un! Non, pas de grenade, on est sur une station de service. Ok, je sais où il est le tango. Il vient d'avoir nad. Putain. Rifleman, 75 meters, front! Il y en a un dans la barrière juste en face de moi. Ah ouais. Ok. Il a pris la grêle là, cet enfoiré. Oh. Continue le sol, les gars. Vas-y. Nad, j'espère que t'es pas mort. T'attends, fuckball, je vais tester. Ouais, il va falloir investir le bordel, la station service là. Il y a celle là où c'est fait buter. T'es où, fuckball? Ok. C'est que ça? C'était quoi ce bordel? Je sais pas. C'était quoi ce bordel?
putain! Y'a plus que toi et moi. C'était quoi ce bordel? Ok. J'ai... Je sais pas, je crois que Nad est décédé à mon avis.